Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, c'est Metarcry, et voilà déjà mon 102ème Shiny le samedi 21 juillet 2012 à 20h50. Enfin, c'est l'heure à laquelle je commence cette vidéo. Oula, je suis dans le rouge. Il ne faudrait surtout pas qu'une de mes consoles soit dans le rouge. Encore moins si elle avait le Shiny, qui sait. Alors, bon, faisons vite, faisons bref, faisons bien. Qui j'ai ? Ici, j'ai. Ah ben, tout niqué. Mon fouette. Donc ce n'est pas lui. Ici, j'ai double avec Rose Bouton et Shinybot. D'ailleurs, je tiens à préciser, aujourd'hui j'ai fail en Rose Bouton en faisant fuite, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton fuite, j'avais deux Rose Boutons. Et celui-là, ben, quand j'ai fui, donc c'est-à-dire ça tendait vers l'ombre. Mais quand j'en vois un qui a une bavette mauve, je pense quand même qu'il est shiny. Oui, je n'ai pas été fou, je n'ai pas eu d'hallucination. J'en avais deux en face. Il y en avait un qui était différent de l'autre, donc partant de ce point de vue là, je pense être assez confiant pour dire oui, j'ai fail un Rose Bouton. Bravo, qui était ma cible en 2014 rencontre. Ouais, je sais, merci. Et il ne reste plus que cette console là, Perfume Road, route victoire, premier sous-sol, magnifique, 45,83% de Galégon, 17,5% de Nosferalto, d'Ariama et 19,16 ou 17%, enfin 19,17% de Miss Dibble. Et j'ai eu Miss Dibble. Donc yes. Gros yes. Hein. J'ai vu les étoiles, c'est les étoiles qui m'ont fait tilter. C'est vrai qu'il se voit, à l'appareil photo, il se voit très mal en shiny. Hein. Même là, ici, je pense que... En fait, on le verra juste plus foncé. Bon, je pense qu'on le verra vraiment plus foncé. On le verra pas vraiment... C'est rouge, on les verra pas, il est vraiment un teint plutôt ocre qui ne passe pas très bien à la caméra, mais... Punaise, mais quel moule, mais quel chanceux je suis. Punaise, mais comment est-ce que je peux faire monter ma moyenne en faisant que des petits chiffres? Je veux dire, c'est le 476e, la 476e rencontre du jour sur chacune de mes consoles. Bon, le chiffre... 3892, certes, je comprends qu'il y ait des petits chiffres, parce que je fais que changer de recherche. Mais dites-vous bien, j'ai que quoi, ben 24 000, 25 000 en pause. Je vais être à peu près... On va se mettre... Je suis à moins de 80 000 rencontres. Mais on va dire 80 000 et j'ai déjà 14 shiny. Mais faites le calcul, je vais le faire. 3 000 divisé par 14. Un shiny tous les 5700 rencontres. Mais cette chance que j'ai, cette chance. C'est-à-dire que, par exemple, t'as Rifou, il en est à 13 shiny SHDC pour le moment. Il a beaucoup plus de rencontres que moi. Déjà, la semaine 2, il a fait plus de 40 000 rencontres, là où j'en faisais, je crois, presque 30 000, hein, ou moins de 30 000. Et voilà, c'est another level. C'est vraiment quelque chose de... Alors bon, donc voilà, toujours un shiny en IRL avec mon angle, toujours un shiny sur ma émeraude, qui donne à fond. Ah mais elle saute dans ma émeraude, hein. Parce que là, sur les 3400, il y avait des rencontres ailleurs que j'avais faites sur ma Ruby Sapphire Xpoint, j'en étais genre à 2400, trucs comme ça. J'ai même pas fait 1000 rencontres dessus. Tenez-vous le pour dit. Depuis que l'Orior, j'ai fait 700 rencontres. Allez, on va dire, je crois bien que j'ai dû faire 800 rencontres à tout péter sur cette version-là. Hein. Alors, tout de suite... sport. Boum, voilà. Alors, bon, évidemment, j'ai prévu... Il m'a fallu un petit temps pour prévoir, parce que j'en ai chié pour aller... C'est-à-dire, j'avais déjà mon colorieur tout préparé avec sport, cage éclair et fauchage, mais j'ai dû aller chercher Racine. Et j'avais pas sur moi de quoi trouver Racine. Heureusement, il y a une petite dresseuse, là, à la rue de Victoire, qui avait Racine avec son joli Roubdelia. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Et, en fait, cette rue de Victoire qui est... clairement jamais faite. Je l'ai vu faite deux fois. La première fois parce que en fait la première fois un type avait fait Ariama. Il avait fail parce qu'il avait oublié qu'il avait cyclone. Donc il a premier tour il lance une bolle et le Ariama qui fait cyclone. Et il l'a refait pour le rafoir. Et d'ailleurs il me semble qu'il était en course avec quelqu'un d'autre, c'est un américain. Mais voilà, c'est les deux. Il me semble seule fois où j'ai vu quelqu'un aller à cette route de victoire faire un Pokémon. Bon, il y a dû avoir des shiny hasard, hein. les Rambou, Mazar, ils sont faits là. En général, j'ai eu des Galégons hasard, il me semble, des trucs comme ça. Mais
qui ont généralement fui, hein. C'est-à-dire qu'on fait l'aventure, on est là à la route victoire, on dit « Ah, je vais m'entraîner. Oh, génie, je vais le capturer. Oh non, il fait hurlement. Oh, bah merde alors. Que puis-je lui lancer ?» La Lux Ball, tu me dis ? Cette ulti à la Lux Ball, je parie. Ouais. Bah, c'est qu'il a atteint ocre et beau. À la quoi ? À la soin. Oui, à la soin ball, oui, tout à fait. À la soin ball, j'y penserai. C'est quoi ? Après, j'irai en acheter, j'irai le refaire. Hein. Oui, si je n'ai pas d'autres idées de choses que bon. Là, bon, c'est pas non plus une chasse fantasmagorique, c'est-à-dire que je pouvais monter le taux de Galégon, mais comme je faisais en fait avant Mélo repousse, que j'ai un peu arrêté parce que j'ai pas très bien le coordonné, et finalement je me suis dit, bah on va finir Rose Bouton et la forêt Vestigion, donc j'ai mis de côté, c'est comme ça au moins, je finis Rose Bouton, ça me vire Rose Bouton, après. Ah oui, merde, après, j'ai la recherche de Misibule que j'ai à finir. Ce qui est un peu con, je l'avoue. J'ai la recherche de Misibule à finir, mais je suis devant Misibule. Que faire ? Mais c'est moche. Mais c'est moche. Parfait. Mais, il y a aucune bol qui lui va, je n'ai pas... Si, la luxe est bien. Mais elle est noire, il est ocre. Enfin, rouge foncé. Moi, je vais dire ocre, tiens. Misibule... C'est aussi une femelle. Ah oui, tiens. C'est une femelle. Oh. Quoi ? Je sais pas. Comment ça s'appelle déjà ? Comment ça s'appelle ? Oh, j'ai le nom qui m'échappe. Voilà, j'ai trouvé un surnom. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai totalement zappé le nom des plantes carnivores. Oui, des plantes carnivores, justement, pour essayer de faire un petit mix avec son petit passier ou quelconque shiny ou chromatique ou quoi que ce soit qui pourrait lui aller bien ou même ocre. Hein. Tout peut se regarder. Boum. Voilà, 3192 en compte. Allez, on va aller faire sauter les étoiles. Quoique non d'abord. Donc j'ai ma petite équipe, hein, j'avais mon Leonardo, mon Colorier Shiny, mon Métamore Shiny et mon Visible Shiny. Yes. Ça se voit très mal, mais je pense qu'on le verra après, donc je vais vite me manier. Salut. Quoi? Il a trouvé quoi? Hein? Ah, elles sont jolies, les étoiles de Misibule Shiny. Non. Ah, si, quand même, il se voit bien sur la capture. Ah, si. Ah, je suis bien content. Tout à fait, j'ai fait un doublé. Allez, vous dites quoi comme nature les gens? Ah oui, donc je souhaite. Alors, j'ai quoi? Il y a Chasseur qui a dit prudent, et Aurel qui dit discret, Totera qui dit modeste, ma chérie qui va dire gentil, mais qui ne l'a pas dit, mais qui le pense très fortement, c'est pour ça que je le devine, parce que je suis devin. Pumpkin qui dit timide, Vipédia qui dit malin, et il est. Ah ben, on va se le faire comme ça. Timide. Mais comme le mien. Putain, mais. Donc voilà. Ouais. Waouh. Moon, elle a un Misibule Shiny Femelle Timide. Et moi, j'ai eu un Misibule Shiny Femelle Timide qui était à 19,17%. En plus. D'ailleurs, je refais la zone normalement. Waouh. J'ai failli le rose bouton et j'ai eu Misibule. D'accord. Bon, bah, GG, c'est
3892. Ah, mais c'est de sûr, il dit Timmy. Non, sans déconner. Ah oui, je suis chanceux. Ah, ça donne. Nous revoilà sur, bah là, encore une fois, la DS avec les moons. La flamme est en la mienne, donc voilà, là on va bien mieux voir la différence de couleur entre un Mistybulle shiny et un Mistybulle clairement normal. Voilà. Je suis d'ailleurs, en fait, j'ai fait friser, hein, bonjour le petit son qui tue les oreilles avec les jolies étoiles. Voilà. Donc, parce que j'adore, enfin, Mistybulle je trouve bien, hein, c'est. En fait, c'est qu'il y avait une autre salle, enfin, j'aurais pu aller descendre un étage et avoir à la place des Ténéfix. Mais non, c'était Mistybulle plutôt qui allait dans mes cordes. Je crois que d'ailleurs que ça devait peut-être me faire plus de galégons, comme je n'avais pas de petit passier. Je sais plus ce que j'avais au troisième étage. C'est-à-dire au premier étage, non, il y a des galékids, ce qui fait que ça coupe l'autre galégons. J'ai déjà galékids, donc c'est pas intéressant pour moi. Mais au dernier, je crois bien qu'il y a des Ténéfix, et là, ça peut être plus intéressant. Mais Ténéfix, non, je compte le faire ailleurs, je compte le faire différemment. Et d'une autre manière. Ah. Alors autant sur la GBA SP. Ah non, en fait c'est qui pareil comme ça. Oh, la différence de coloration. Alors ici, il est un mauve. C'est un mauve plutôt mauve pourpre, j'aurais dit. Mais alors là, c'est du mauve total qui paraît mauve rosé sur la caméra. Alors qu'ici, ça paraît très très terne, très poussiéreux. Mais là, il est flashy le Mistybulle, hein, flashy. Et même sur la... Ah ouais, non, quand même. Punaise. Sur la DS, mais il est flashy. Là, c'est Mistybulle Punk, hein. Quoi, les yeux? Ah oui, c'est vrai, il a les yeux rouges aussi. Ah, ça y est, il s'est mis des lentilles comme Naruto, là. Dans Naruto, les lentilles de Naruto possédées par Kubi. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles sont rouges, mais bon, Kubi, comme il est assez enflammé, c'est ton jaune. On dirait une aubergine. On dirait une aubergine. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma boule de colle? Touche pas, je m'en sers. Voilà, donc j'étais ici dans un petit coin. On prend l'escalier, on fait l'escalier central. On descend, on fait force. Enfin, j'ai essayé de trouver la meilleure ligne pour pouvoir en plus je changer. Non, je fais pas des bêtises avec, on la salit pas, elle est déjà assez sale. Non, je crois que ça va être... c'est tout, hein, voilà mon 12e shiny, le 13e shiny de la SHTC, le 15e sans les deux fails. Ouais, je suis normalement, sauf erreur de ma part, je suis celui qui a fait le plus de fails dans cette SHTC. C'est super pas utile. Oui, super pas utile, effectivement. Oui, j'en ai fait que deux, mais Iki, il y a il y a une fille qui a fail le Tauros. Il y a moi, il y a peut-être eu d'avoir un ou deux autres fails, mais pas plus que ça. Petite animation d'émeraude, on profite. Grosse bouche. Je sais pas si sa bouche change de couleur. Autant là il a l'air bien, il a l'air vraiment pourpre, mais là c'est flashy quand même. Hein. Bravo. Bon, je crois qu'on va se quitter là, hein. De toute façon, on va refaire un coup d'étoile et puis je crois que ce sera tout. Dédicace aux petits gens qui étaient là sur Skype, je sors Shiny, bon mais qui vous acheter, il y a mon Camoun Machai qui est à côté, il y a Al, après il y a qui d'autre, il y a Totera, il y a Blandine, il y a Penkin Black, il y a Aurel, il y a Darkelia, il y a Vipelier, il y a Nita qui était pas là, et il y a plein d'autres gens. Et je t'avais encore dit de mettre la route devant, sinon la chaise elle se casse. Ah oui, bon, il y a Macaron, il y a Kevin, qui a, si je ne m'abuse, eu un métamorphe. Ah, il y a quelqu'un qui a eu un anchoat. Et puis il y a Norlink. Et puis il y a un petit peu d'autres gens, voilà, que je citerai peut-être une autre fois. Oui, bah, bientôt, hein, de toute façon. Non, là, cette fois, faut que ce soit pour dans longtemps, quand même. Ça me fasse plaisir que je sache que j'ai vraiment bataillé pour faire une recherche. Je fasse 20 000 sans rien. Pas 3 000 sans rien. Moi je trouve ça c'est cool pour moi, mais bon, je suis vraiment un gros moule. Ça me, contrairement à SHTC de l'an dernier, ça me change vraiment.